Et salut, cher public de l'internet, c'est Capou. Petit stream un peu spécial ce soir, puisque non, on va pas jouer, mais on va ouvrir des paquets. 42 plus précisément. Enfin, j'espère 42, j'espère que je vais aller assez vite pour ouvrir tous ces paquets. Parce que chaque fois je mets 10 ans, donc on va faire un petit effort, on va essayer de speeder un peu tout ça. Alors, open keg. Je veux ouvrir des kegs, tout à fait. Alors, ça commence bien. Petite légendaire. Nice. Ok. Plus Marigold, très bien. Alors, on a le choix. Bah écoutez, on n'a pas trop le choix. Finalement, on va prendre John Atalis, je pense. Hein. C'est quand même plus la classe. Voilà, on va pas trop réfléchir. On prend le gold. On prend la carte épique. Wally. Non, c'était pas ça. Soup won't see what wow wow inside. Ok. Ah, les Nekers, il faut qu'ils arrêtent au bout d'un moment. Prendre le deuxième silver. Allez. On continue. Plus que 40. Goodie. Wayden Rider, j'en ai plein en fait. Juste pas cette image là. Il y a ça sinon, Dimeritium Bomb. River Hunter, on l'aura peut-être un peu plus tard. Allez, Dimeritium. Nice. Ok. Alors, donc ça, c'est bon, on a ce qu'il faut. Et après on a ce qu'il faut. Non, enfin on peut avoir jusqu'à 3 cartes même type. 3 exemplaires d'une même carte, donc ça je crois que c'est très fort. Oui, le Hawker Support, oui, si, je me souviens très bien du traumatisme. Hawker Support, on prend. Alors. Ok. Très bien. Allez. 2-2-2. Je sais pas si ça vaut le coup de prendre un troisième de ceux-là. Peut-être.
J'hésite entre le Tremors et le Healer. Allez, on va prendre le Tremors puisqu'il est neutre. On peut l'utiliser dans tous les decks. Donc. Même du Nord en force. Ok. Bah King Brand, genre, par exemple. Ouais, on va prendre le Gold hein, dans tous les cas. Wallet. Très bon ça. Nouveau chef de faction. Est-ce que je prendrais un troisième Scorch? On n'a jamais assez de Scorch. Allez, on va prendre le Silver. Quoique, faudrait que j'équilibre un peu quand même. C'est très fort ça aussi quand même. Allez. Allez. Nice. Deux commandos. On va prendre la goule. Pour mon futur deck de monstres ultra pété. Ça c'est bien. Ça c'est très bien aussi. Ben on va prendre le Hag. Ouais. Eh ben Zoltan. Hein. Après Vezimir, ça me ferait plaisir, mais. Ça ferait zizir, Vezimir, mais en même temps, Zoltan Chivé, il est totalement en gold. Ouais. Bah du coup celui-là qui me rend que j'ai qu'en une fois. Ah, un rare. Un anticorps pas mal. Allez, on va prendre l'archer. Ah,
je sais pas trop. J'ai envie de prendre le gold quand même pour le Dez après. Pour désassembler la carte. Et voilà les composants pour crafter d'autres cartes. Parce que là, le silver, bof quoi. Faut que je prenne un gold. Quoi qu'en même temps, celle-ci elle est même rareté donc. Ouais, donc en fait, ça se peut, ça se dés pareil, c'est la même valeur. Je sais pas du tout. Je vais regarder sur le net vite fait. Voilà. J'arrive pas à aller sur internet. Alors, Skellig Storm. Est-ce qu'il y a l'info? Ah. Non, j'ai pas l'info. Non, bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on prend du coup? Voilà, on s'en fout. On va prendre le Skellig Storm. C'est peut-être pas la meilleure idée, mais bon. Moi, je l'ai pas. Et voilà, enfin, nouvelle carte. Alors bon là c'est équitable. Non, je peux pas savoir ce que c'est un Banhard Edipt, non? Adept. Ouais, on va prendre Johnny, c'est un neutre. Walker support, ok. Bah, River Hunter, je pense. Ouais, je sais pas si j'en ai pas plus de 3 maintenant au final. Bon, dans le doute. Allez, on prend le healer. Bah allez, il nous faut du légendaire là. Goody.
un Queensguard, très bien. Oh, encore un Queensguard. Prenons un commando. Cinq paquets. Allez. Ok. Ah, ma Gamgard, j'en ai pas. Il m'en faut. Très bon ça. Oui. Goodie. Oh, Angel, tu l'avais déjà, je crois. Ça va être bien. Super. C'est pas fou. Et ça. Wallé. Prends le troisième Scorch. On est bien là, ça y est. On est bon au niveau du Scorch. On est au max. Ça, ça a l'air très bon. Nature's Gift. Sarah. C'est pas mal aussi, hein. On va prendre ça. Je peux la jouer dans mon deck monstre. Oui. Grimiste, nickel. Bon, on va prendre le captain. On va se calmer, ça aussi on va se calmer, et oh bah putain, mais j'ai tout en 3 quoi. Ça y est, j'ai toutes les cartes du jeu. Bon, du coup elle a plus de valeur la Manticore, je pense. De double et de triple là, voire plus. Svanrig. Allez. Pas de nouvelle carte là un peu. Allez, deuxième Dimeritium. Toujours 7 prix. Faut un peu de gold là. Des cartes qui piquent. Putain, non pas un bleu.
Ah, River Hunter, y en a marre. Je prends le troisième promote. Allez. C'est pas très utile, mais bon. C'est jamais. Allez, Young Berserker. Et 15 paquets encore. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer pour la cinquième? C'est pas top. C'est vraiment pas top. Pour la cinquième. C'est naze tout ça. Ça va en ring, mais bon. Ça se paquet. Plus utile. Nice. Ah, il n'y a que des redites maintenant, ça c'est fini. Un petit gold pour finir là dans les 11 paquets serait pas mal. Troisième behemoth, Arachas. Et 10 paquets. Un petit gold. Proposer Redin. Bon deal. Je vais peut-être pas prendre Redin du coup. Est-ce qu'un 10 de base? Oh. Ooh.
pirate. Ok, deuxième Blue Mountain Commando. Ah, c'est un goal, totalement un goal. J'espère que je l'ai pas. Allez, 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 allez. Yes, Elias, je connais pas. De force, gagne de force quand un commando néophyte rentre sur le terrain de mon côté. Commando néophyte, donc je sais pas trop ce que c'est. Petit truc de base, j'imagine. Non, c'est pas un gold, c'est juste. Enfin, si, il est légendaire quoi. Rareté légendaire quand même. Mais c'est une carte silver quoi. Ok. Cool. Très bon. Hey, salut Filou. Salut Filou 9578. Bienvenue sur le stream. On va prendre quoi? Bon allez, on va prendre l'ours. Ah, on a presque fini. 6 boosters encore. Ah. Un healer, non, pas un healer. Et là, ben, trébuchet renforcé, je suis sûr que j'en ai d'autres. C'est peut-être pas avec cette illustration. On prend quand même. Ça en combo avec l'autre là, avec le comment il s'appelait, Niels Enials, hein, je crois. La carte légendaire que j'avais eu là, ça peut être pas mal là du coup pour avec les vu que ça spawn des commandos néophytes, on va le prendre. Canbuster. Encore une bombe. Ah! Cronbrouet, ça c'est bon ça! Je crois que j'en ai une autre de Cron. On va la prendre. Hein. 3 boosters! La fin est proche! Ah mais Necker, mais j'ai une armée de Necker. Si seulement on pouvait en mettre 10 dans le deck. Warlong Ship, pas mal. Le pouvoir est pas mal. Dans un deck des fois ça peut être pas mal du tout. Ouais. Ok. Eh merde.
3 et 4 exemplaires. C'est le dernier booster. Allez, on va peut-être finir sur une légendaire. Une gold peut-être. Non. Mais je sens que je vais prendre le Captain Pirate. Ouais. Pour un deck des fosses Vikings. Ce qui est ligueux. Faut que j'arrête de dire Viking. Ça peut être pas mal, quoique le... Ouais, mais je suis sûr que j'en ai d'autres des trébuchés. Allez, on va prendre Captain. Mais voilà, c'est fini. Ah, c'est fini. Bon, j'étais assez rapide, finalement. Du coup, je me tâte. Est-ce que je fais une petite partie ou j'arrête là? Je ne sais pas. De toute façon, je vais pas créer de deck maintenant, là ça va prendre trop de temps et bon, je préfère le faire en offline. Parce que c'est secret défense forcément. Faut pas que les gens ils sachent ce que j'ai comme carte dans mon deck. Mais on peut se faire un petit deck de base. On peut prendre un deck de base et faire une petite partie. Bon, allez, comme ça, il y aura un petit peu de gameplay dans cette vidéo. Ce sera pas totalement inutile. Est-ce que je ressors mon vieux deck tout moisi que j'avais fait récemment, là, Gobs in the Fogs. Non, c'était trop moisi, c'était trop moisi. J'ai envie de le tenter quand même. Il est trop moisi ce deck, mais c'est pas grave. Allez, on va se faire défoncer. Voilà, du coup, vu que c'est un deck que j'ai écrit P2W, donc il y a peut-être quelques cartes que j'ai récupérées en booster. Avec des boosters. Que j'avais acheté, mais. Mais bon, c'est vraiment pas optimisé du tout. C'est un deck de base. Alors comment ça joue déjà? En écœur sur, il me sert à rien parce que j'en ai déjà. Et les foglettes, je crois qu'ils me servent à rien aussi là. Je l'enlève. Manticore Venom, ok. J'ai aucune créature. C'est horrible. Le fog est pas mal. Tac tac, ça aussi c'est pas mal. Enlever celui-là. Ça y va les foglets. Je suis pas dans le caca. King Bran, c'est quoi? C'est pas une carte de base, je crois ça. Bon, je vais tomber contre un gros Bill qui lui aussi a acheté des cartes. Bon, on n'est pas dans la merde. On va appeler les foglets avec le fog. C'est quoi ça? Ok. Mm-mm.
Gods protect us. Hermione. Hermione, c'est Harry Potter, ça. Ouais, il va me casser les couilles là, à faire ça. Oh, ça, c'est bien ça, si je lui fais. C'est pas mal. Il peut pas les booster, elles sont mortes. On est bien. On a l'avantage. Il va devoir jouer. Bow before modern Freya. Crack and eat me ghoulies. Looky here. J'hésite à faire. Ça. Ça, je pourrais faire ça. Il peut pas tuer mes petits gars. En même temps, je peux faire ça d'abord. Et là, il se dit, je fais de la merde. On pourrait croire que je fais de la merde. Mais si je fais mon pouvoir de truc à vrai. Après, il va peut-être tout me bourrer sur la ligne, c'est possible. S'il me fait un balayage, bah, je suis niqué. Faut absolument que je mette le pouvoir du boss après. Older Blackhand's taking on new swabbies. What do you say? Ah mais non, il pourra pas me les tuer du coup si je les mets tous à 6. Je sens qu'il va être chiant son deck, il va me casser les couilles. Je connais pas du tout. Par contre avec ça, ouais, je reprends l'avantage. Naivety is a fool's blessing. Je pense à 42 quand même. Ce qui est pas mal. Ah, il va me sortir des cartes pétées, il va me sortir les cartes gold. Ok. To lose. Oh, putain, non mais ouais, bah voilà, la différence c'est qu'il a un deck super optimisé. Avec des pirates, du discard, tout qui va bien ensemble.
On assure le coup. Là, il va abandonner. Normalement, il va abandonner cette manche-là. Ou alors, peut-être qu'il va vouloir bourrer. Mais bon. Comme il veut, hein. S'il a envie de dépenser toutes ses cartes là-dedans. Je suis pas si mal, franchement. Je m'émerde pas trop mal. Bon, à part qu'il m'enlève 2 à 16. J'avais pas bien vu. J'ai plus grand chose quand même. En même temps, s'il le raise. Super bien joué, hein. Franchement, c'est pas optimisé du tout. Watch us and keep us. Ah, ce que je pensais, putain, il reste le truc, ça était sûr. Ça était sûr. Je suis mal, je sens qu'il a des cartes d'enfoiré après. J'ai de la chance, disons que. Putain, me donne pas ça, quoi. Me donne pas un autre Necker, putain. C'est quoi ce délire, là, putain. Not get in the way of me axe. Ah, j'ai pas grand chose, hein, franchement. Modron Freyr is patient, but she brooks no insult. Crack and eat me ghoulies. Looky here. C'est chaud en tout cas. Oh bien. Ah, je crois que c'est bien ça. Won't pay us in gold, pay us in blood. Not get in the way of me axe. Mm-hmm.
c'est super tendu. Yield and save me some time. What the fuck? Oh là, cette victoire à l'arraché. Oh, cette victoire à l'arraché. Oh my god, à un point. Bon, ben. Putain, super tendax. Bon. Je pense que je peux arrêter là-dessus. Bon, c'était un stream très rapide, hein. Je ferai plus long la prochaine fois, plus de jeux, plus de gameplay. Mais là, je vais m'arrêter là. Je dois m'arrêter là. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau stream sur Gwent ou sur un autre jeu. Sûrement sur Gwent, hein, parce que là, il faut que je m'y mette à fond. Il faut que je m'y mette à fond, que je fasse mes decks déjà. Mes decks tout pétés en pay to win. Et puis, comme ça, on roulera sur tout le monde, enfin. Allez, je vais m'arrêter là. Salut tout le monde, à bientôt.